Dans le cadre de leur activité de service alimentaire, les restaurateurs ne sont soumis à aucune obligation d'assurance. Une garantie est toutefois fortement recommandée, la responsabilité civile professionnelle, qui les protège financièrement contre tout préjudice causé à un client. C'est important pour moi d'avoir une responsabilité civile au sein du restaurant pour avoir une tranquillité et pour mes serveurs et pour moi-même et aussi une assurance donc du coup pour les clients. Si jamais il y a un pépin, un dégât ou quoi que ce soit, tout le monde est protégé. Je ne vais pas demander à un de mes serveurs s'il fait une tâche de payer le pressing. Voilà, je pense que c'est à moi de me couvrir là-dessus, quoi. Vol, blessure ou encore intoxication alimentaire, de multiples risques peuvent engager la responsabilité d'un restaurateur. Ces métiers-là ont des risques spécifiques. On va parler, évidemment, on va penser à l'intoxication alimentaire. Quelqu'un qui va être malade, bah nous, il peut se retourner vers le restaurateur. Et généralement, ce qui se passe, c'est que souvent, ça va être un arrêt de travail, etc. Et la sécurité sociale peut se retourner contre le restaurateur et donc contre l'assureur. Aujourd'hui, la plupart des assureurs proposent des offres packagées qui couvrent à la fois les biens et équipements du restaurant, ainsi que la responsabilité civile professionnelle du restaurateur pour des prix relativement abordables. Pour les restaurateurs, je crois que la prime moyenne, elle doit être de 1500 euros. Attendez, je regarde. Oui, c'est ça, 1500 euros. À noter que sans assurance responsabilité civile, un restaurateur peut se voir condamné à verser de sa poche des milliers, voire des millions d'euros de frais de réparation pour le préjudice subi par son client.